quelque part, au large du Brésil, en compagnie de Sébastien Joss. On accélère direction le sud. On essaye d'attraper un front froid qui devrait pas tarder à nous emmener vers le cap de Bonne-Espérance. Voilà, et donc là on est vent de travers à une vingtaine de nœuds. C'est assez bruyant, mais au moins on fait des milles. Le bateau Edmond Rothschild, Oriching, bâbord Amur, en appui sur son foil tribord, dont la fréquence sonore oblige Sébastien Joss à porter un casque anti-bruit. Quant à s'accorder un petit moment de repos, à cette allure, ça relève franchement de la gageure. Ça fait un peu de bruit, et ça bouge un peu aussi. Avec tout ça, il faut essayer de s'endormir. Et ben bonne nuit à tout le monde. La vue de ces images nous confirme bien que sur les foilers, il va falloir une sacrée capacité de résistance au plan physiologique et mental à l'échelle d'un tour du monde. Un profil qui correspond actuellement à celui d'Alex Thompson, leader intraitable qui ne cesse de creuser l'écart sur ses premiers poursuivants, Armel Lecléache et Sébastien Joss, relégués à plus de 100 milles en milieu d'après-midi. Derrière, l'Équateur continue à distribuer ses certificats de passage. Ça y est, 0, 24 sud, yes! Hier matin, c'était au tour de Thomas Ruyon de faire tamponner son passeport. Et nous, qui pensions qu'on arrivait là, ça n'était pas de la petite guerre. On boit un coup avec Neptune. Bière. Un petit coup à Neptune. Allez, santé.